C'est pendant cette visite sur le site de Fukushima que le ministre japonais de l'économie a eu des mots malheureux qui lui coûtent aujourd'hui son poste. Yoshio Hashiro a déclaré que le lieu lui avait fait penser à une ville morte. Il a remis ce samedi sa démission au premier ministre Yoshihiko Noda.